Souvent intraitable à la Méno, les Strasbourgeois ont enfin réussi un excellent match à l'extérieur et s'imposent à Nice au terme d'un match fertile en but. On commence à la 15e minute, Fugain a taclé Goël dans la surface de réparation. Pénalty pour Franck Leboeuf, 1-0 pour Strasbourg. 28e minute maintenant, Wilfried Goël, l'ancien Valenciennois, et Gravelaine, centre pour Mostovoy, deux anciens du Stade Malherbe de Caen, 2-0 en faveur de Strasbourg. Strasbourg domine facilement au stade du Rhin, mais laisse un peu bêtement revenir les Niçois, but complètement involontaire. Signé Chaouche sur un dégagement de Leboeuf, ça fait 2-1 pour Strasbourg à la 34e minute. Et Nice pour entretenir l'illusion, l'espace d'une pause à la mi-temps égalise juste avant donc la fin de la première mi-temps grâce à nouveau à Chaouche. 36e minute, 2 buts partout, 5e et 6e but pour Chaouche cette saison. Deuxième mi-temps, Strasbourg reprend sa domination et reprend logiquement l'avantage au score. Mostovoy décale Bouafia, la frappe n'est que freinée par Letizy. 3-2 pour Strasbourg à la 55e minute. Les Strasbourgeois sûrs de leur force qui à nouveau font le break avec un autre ancien blessé dont le retour est à saluer après Christophe Coquart. C'est Marc Keller qui marque ici le 4e but pour les Alsaciens à la 63e minute. Et Nice réduira la marque à la toute dernière seconde sur une belle tête de Fugain. Mais ça ne change rien, victoire logique de Strasbourg. Nice s'enfonce un peu plus au classement.